Ambricio. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est à la défense de Monsieur Nunchia pour procéder à l'interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Maître Pau, merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin, Monsieur Kim Woon. Monsieur le Président, avant de commencer, je tiens à clarifier. La défense s'était vue octroyer les trois quarts d'une journée. Avons-nous jusqu'à midi pour terminer notre interrogatoire? Mon collègue Maître Carnavas n'a que quelques questions. Moi-même, j'en ai pour une trentaine de minutes. Le président, allez-y. La défense, merci, Monsieur le Président. Monsieur Kim Woon, je vous remercie de votre présence ici. Je comprends que ce n'est pas facile pour vous. Comme je viens de le dire, je présume que nous allons terminer votre interrogatoire à la fin de la matinée. Je m'exprimerai lentement pour mes confrères francophones et pour les interprètes. J'ai un certain nombre de questions dans la prolongation de ce que vous avez dit à l'accusation hier. Monsieur Kim Woon, vous avez dit dans votre déposition qu'à un moment donné, Yoon Yat avait le contrôle du ministère de la propagande et de l'information ainsi que du ministère de l'Éducation. Rappelez-vous, monsieur le témoin, dans quelle année Yoon Yat a pris la responsabilité des deux ministères? Réponse. Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense qu'elle était en charge de ces institutions en 1977 ou 78. Question. D'après vos connaissances, Monsieur Kim Woon, Yoon Yat a-t-elle conservé la responsabilité des deux ministères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens en janvier 1979? Réponse. Oui, en effet, elle était en tête jusqu'à cette date-là. Question. Nous avons parlé de votre mutation à la station de radio Kampuchea Krom. L'accusation vous a posé un certain nombre de questions à ce sujet. Rappelez-vous à quel moment vous avez été transféré et placé à la tête de cette station de radio. Réponse. C'était en 1978, d'après mes souvenirs. Question. Dans votre déclaration devant les co-juges d'instruction, et je vais citer le document E3-381, ERN en anglais 0036-55-26, en Khmer 0035-72-03 et en français 0040-29-96.
page 0035, 36, 55, 28 en anglais. En khmer, 0035, 72, 05. Vous avez dit, je cite, après l'arrestation de ma femme fin 1977, on m'a muté et transféré pour travailler comme chef des programmes de la radio du Kampuchea Krom au ministère de la Propagande et de l'Éducation. Vous venez de nous dire qu'il vous semblait avoir été muté en 1978 pour diriger cette station de radio. Lors de votre déclaration devant les co-juges d'instruction, vous dites que cela s'est produit après l'arrestation de votre épouse à la fin de 1977. Il est bien sûr que cela se soit passé en 1978, à la lecture de la réponse que vous avez donnée au co-juge d'instruction. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si vous avez en effet été muté en 1978 ou cela a-t-il pu se passer à la fin de 1977? Réponse. J'aimerais apporter une précision. Lorsque j'ai été mutée, au début, je n'occupais pas de fonction. Mais en 78, l'on a créé ces émissions et j'ai été nommée président des émissions de radio Kampuchea Krom. Avant cela, les émissions n'étaient pas bien différenciées. Vers la fin de 1977, j'y ai été mutée sans occuper de fonction claire. Je devais écrire des émissions, mais c'est plus tard, seulement en 1978, que j'en suis devenue président. Question. Merci de cette réponse. Vous avez dit également que la station de radio Kampuchea Krom relevait du ministère de la Propagande et de l'Éducation. Est-ce exact? Réponse, oui. Question. Hier, lorsque l'accusation vous a posé des questions concernant la station de radio du Kampuchea Krom, vous avez dit la chose suivante. À la page 37 de la transcription en anglais, à la page 30 de la transcription en khmer. Je cite donc d'abord la question du procureur. Lorsque vous étiez le président de cette émission, travaillez-vous au sein d'un des ministères à Phnom Penh ou ailleurs? La réponse, de votre part, j'ai travaillé pendant tout le temps au ministère de la Propagande, la différence étant que je travaillais dans un autre service du ministère. Fin de réponse. Voici donc ma question. Lorsque vous êtes allé travailler à la station de radio du Kampuchea Krom, êtes-vous parti à un autre endroit, que ce soit dans un autre bâtiment ou dans une autre partie du même bâtiment qu'auparavant? Réponse. Comme je l'ai indiqué, au début, j'étais attachée aux deux services et mes fonctions n'étaient pas clairement reparties. Je devais remplir mes responsabilités dans ces deux fonctions. Ensuite, après 1977, le bureau a été départagé, même s'il y avait des émissions communes. Nous devions diffuser en khmer, en anglais et en vietnamien.
les émissions du Kampuchea Chrome étaient quotidiennes. Et à ce moment-là, nous avions un service séparé. Question, pour être certain de bien vous comprendre, vous avez dit que le bureau a été départagé. Est-ce que cela veut dire que un certain nombre de personnes ont déménagé dans un autre bâtiment? Réponse, oui, c'est exact. Question. Et lorsque vous travailliez dans ce bâtiment, forcément, donc, vous passiez moins de temps au sein du ministère de la Propagande. Est-ce qu'on peut le déduire ainsi? Réponse, oui. Question. Je passe à un autre sujet, Monsieur Kim Boon. Hier, le procureur vous a interrogé concernant le rôle de Nunchea au bureau de la propagande. Pour citer la transcription, la page 36 en anglais et 29 en khmer. Pour citer d'abord la question du procureur, je cite, vous avez également dit dans de précédentes auditions que il y avait une époque où Nunchea était chargé du bureau de la propagande, et c'est exact. Fin de citation. Et vous avez répondu, je cite, en fait, le rôle de dirigeant ne relevait pas de ses fonctions. Monsieur Kim Boon, est-ce que vous maintenez cette déclaration où vous avez dit que Nunchea n'était pas chargé de diriger le ministère de la Propagande? Réponse. Ce n'était seulement lorsque Yunyat n'était pas présent qu'il venait la remplacer. Il était par contre responsable des émissions sur l'agriculture. La défense. J'aurai quelques questions tout à l'heure concernant les émissions sur l'agriculture, mais j'ai d'abord une autre question à vous poser. Je viens de vous lire la question que l'accusation vous a posée. Je vais la relire pour vous aider à comprendre. La question de l'accusation était la suivante. Vous avez également dit dans vos précédentes auditions qu'il y avait une époque où Nunchea était responsable du bureau de la propagande. Est-ce exact? Fin de citation. Ça, c'était la question qui vous a été posée par l'accusation. Monsieur Kim Boon, voici ma question aujourd'hui. Avez-vous jamais dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction que Nunchea était responsable du bureau de la propagande? Réponse. Je l'ai dit, mais je disais qu'il ne venait simplement pour remplacer Yunyat en son absence. Question. Rappelez-vous ce que vous avez dit aux enquêteurs concernant le rôle de Nunchea au bureau de la propagande lorsqu'il y était présent?
réponse. Je ne me souviens pas ce qu'il faisait auparavant, mais Monsieur Nunchea ne travaillait pas de façon permanente au ministère. Aucun autre ministre n'était nommé de façon permanente. Il n'y avait que Madame Yuniat. Lorsqu'elle était absente, Nunchea occupait ses fonctions. Question. Monsieur Kim Woon, avez-vous dit aux enquêteurs du BCGI que Nunchea était surtout impliqué dans l'éducation, notamment concernant l'agriculture? Réponse. Les nouvelles émissions d'éducation concernaient l'agriculture, effectivement. Question. Hier, en répondant aux questions du juge Lavergne, vous avez parlé des émissions d'éducation au début. Et je cite la transcription d'hier, la page 69 en anglais et la page 56 en khmer. Le juge Lavergne vous a dit, ce matin, vous nous avez dit que Nunchia ne venait que de façon intermittente. Pouvez-vous nous dire davantage sur ce que faisait Monsieur Nunchia au ministère de la Propagande et de l'Éducation? Et voici votre réponse. En fait, Monsieur Nunchia jouait un rôle dans l'émission d'éducation qui concernait l'agriculture. Et plus tard, le juge Lavergne vous demande, je cite, est-ce qu'il remplaçait Madame Yuniat ou est-ce qu'il venait simplement pour l'aider? Et votre réponse était de dire que son émission fondamentale concernait l'agriculture. Je n'ai pas connaissance de son implication dans d'autres sections, notamment parce que j'avais été transférée à la radio du Kampuchea à Krom au moment où Nunchia a été nommée au service de la propagande. Fin de citation. Donc hier, vous nous avez dit que l'émission principale dont s'occupait Nunchia concernait l'agriculture et que vous n'aviez pas connaissance de sa participation à d'autres sujets, notamment parce que j'avais été transférée à la radio du Kampuchea Krom. Monsieur Kim Boon. Voici ma question. Est-il exact donc de présumer que vous ignorez les autres fonctions de Monsieur Nunchia puisque vous aviez été transféré à un autre bâtiment où vous passiez beaucoup de temps? Ben, comme ça. Réponse, effectivement. On peut dire cela. Question. Monsieur Kim Won, hier, quand vous avez été interrogé par le juge Lavergne, vous avez dit que Monsieur Nunchia participait aux travaux de la section de l'éducation en ce qui concerne l'agriculture. Vous avez un peu parlé de ce dont vous vous souveniez quant au programme ou à l'émission sur l'agriculture, mais la transcription anglaise n'est pas vraiment claire. Si on la
compare avec la transcription en khmer. Dans l'intérêt de toutes les parties, pourriez-vous nous en dire davantage au sujet des différents aspects de cette émission sur l'agriculture à laquelle participait Nunchia? Réponse. La formation dans le domaine de l'agriculture se faisait par une diffusion d'un manuel pédagogique, des documents. Existait donc en différents exemplaires. Il y avait un enregistrement et puis une radiodiffusion. Les sources, c'était le centre de recherche rizicole de Battambang. Il y avait là un expert chinois qui avait élaboré le manuel de formation et la brochure d'information destinée au programme relatif à l'agriculture. Question. Interrogé par le BCJI, vous n'avez apparemment pas dit que les activités de formation dirigées par Nunchia portaient sur l'agriculture. En fait, le terme même d'agriculture n'apparaît pas dans votre déclaration, dans le PV d'audition que vous avez signé et dont vous confirmez la teneur. Savez-vous pourquoi le fait que les activités de formation dirigées par Nunchia portaient sur l'agriculture n'est pas mentionné dans les déclarations que vous avez faites et qui ont été recueillies par le BCJ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. On ne m'a pas posé de questions là-dessus, et donc je n'ai pas fait de réponse là-dessus. Mais par la suite, des questions ont été posées sur les programmes d'éducation en général. Il y avait aussi, à l'époque, un programme portant sur la formation dans le domaine de l'agriculture. Les enquêteurs ne se sont pas appesantis sur la question de la formation dans le domaine de l'agriculture. Leurs questions ont seulement posé sur le rôle de Nunchia par rapport au ministère de la Propagande. Et j'ai répondu que la propagande faisait partie de la formation. Question. Pour éviter toute confusion, vous souvenez-vous si vous avez mentionné l'agriculture lorsque vous avez été entendu par le BCJI? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Et je ne sais pas à quelle audition vous faites allusion. La défense. Mes excuses si je n'étais pas suffisamment clair. Je vais simplifier. Vous souvenez-vous
si, aux enquêteurs, vous avez dit que l'implication de Nongia dans le domaine de la formation portait sur l'agriculture. Réponse. Pour ce qui est des auditions effectuées par le personnel du tribunal, je n'ai pas parlé d'agriculture. On m'a interrogé sur l'implication de M. Lancia au ministère de la Propagande et j'ai dit qu'il s'y rendait parce qu'il y avait une nouvelle émission de formation portant sur l'agriculture. Question. Monsieur Kim Woon. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser. Oh, je veux qu'il soit donné acte du fait que le terme d'agriculture n'apparaît pas dans les PV d'audition. Nous allons demander une transcription de votre audition par le BCJI. Merci d'être venu ici. Ça a dû être difficile au nom de la défense de Nunchea. Je vous adresse mes meilleurs voeux. បាទអរគុណជាបន្តអញមិនសម្ដាល់វិទ្យាជូនទៅ Le président, la parole est à la défense de Yeng Sari, qui a l'occasion d'interroger le témoin. Je vous en prie. Maître Carnavas. Bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Michael Carnavas. Avec maître Angoudoum, nous représentons monsieur Yeng Sari. J'ai très peu de questions. Il s'agit surtout des questions visant à obtenir des éclaircissements. Je ne devrais pas en avoir pour plus de 15 minutes. Première question, elle concerne la deuxième déclaration, celle du 28 juillet 2009. Il s'agit du document E3 barre 381, page 4 de la version anglaise. Les ERN en khmer sont les suivants: 00, 35, 72, 06 et 07. En français: 00, 40, 29, 98 et 99. Et en anglais: 00, 36, 52, 29. Dans cette déclaration, une question vous est posée et j'aimerais ici obtenir des éclaircissements. Vous avez dit que des tracts ont été lâchés avant l'arrestation de Sao Pim. Où les tracts avaient-ils été publiés? Ensuite, vous avez donné une réponse. Nous avons entendu l'audition. C'est à la 48e minute, ou plutôt, minutes 31 secondes, 2 heures d'après le résumé. Nous ne savons pas ce qui a été dit. Pendant les périodes qui n'ont pas été enregistrées, mais dans les enregistrements, vous ne parlez pas de tracts. À quel moment avez-vous parlé pour la première fois les tracts? Aux enquêteurs. Réponse. C'était il y a longtemps. Je ne me souviens pas de tout, mais d'après mes souvenirs, j'ai parlé de tracts. Mais je ne sais plus bien quand. Maître Canavas. Merci. Prenons votre autre déclaration. E3, barre 380.
ici. Ça commence à 8h50 jusqu'à 14h30, donc environ 5h40 minutes. Or, l'enregistrement sonore dure 2h47 minutes et 22 secondes. Dans les deux déclarations que vous avez faites, est-ce que les enquêteurs vous ont posé des questions? Est-ce qu'on vous a posé des questions et est-ce que vous avez donné des réponses avant que les questions et réponses ne soient effectivement enregistrées? Réponse. Je ne sais pas comment elles ont enregistré. Je me suis concentré sur les questions posées uniquement. Et j'ai répondu. Mais pour ce qui est de l'enregistrement, ou de l'organisation de l'enregistrement, je n'y ai pas accordé d'attention particulière. Question. Ça a commencé à 8h50 et ça a terminé à 12h30. Or, dans le document E3-381, il n'est pas indiqué qu'il y aurait eu une pause. Est-ce que l'interrogatoire a effectivement commencé lorsque les enquêteurs vous ont rencontré pour la première fois? Est-ce que ça a pris fin à 2h30, comme c'est indiqué dans le résumé? Réponse. Je ne sais pas bien comment on s'y est pris pour enregistrer l'audition. Question. Dernière question là-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, les enquêteurs vous ont dit « Maintenant, nous allons commencer à enregistrer » ou bien est-ce que vous avez supposé que tout a été enregistré depuis le moment où les enquêteurs se sont présentés à vous? Est-ce que vous en souvenez? Réponse. Ça a pu être le cas, mais j'ignore ce qu'il en est des aspects techniques. Je n'ai fait que répondre aux questions posées. Question. Dernière question sur les deux entretiens. Au cours des entretiens, est-ce qu'ils vous ont présenté des documents pour que vous les examiniez et ce, pour vous rafraîchir la mémoire? Est-ce que vous en souvenez? Réponse. À ce moment-là, il se peut qu'il m'ait remis des documents. Mais l'entretien a duré assez longtemps. Je ne me souviens pas de tous les documents, mais simplement du nom de certaines personnes qui travaillaient au département de la propagande. L'un de mes collègues n'était pas un cadre. C'était une membre ordinaire du personnel, mais je n'ai pas apporté la rectification au PV parce que l'entretien a duré assez longtemps et j'étais trop épuisé pour apporter la rectification. Question. Dans le prolongement de ceci, vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Est-ce qu'à ce moment-là, on vous a donné un document pour vous rafraîchir la mémoire? Réponse. De manière générale, ils m'ont remis un exemplaire
mais je n'ai pas examiné de façon approfondie ce document. Question. Je passe au dernier thème. Rapidement. Le président, au début de votre déposition, vous a demandé s'il y avait eu un ou deux entretiens. J'aimerais obtenir des précisions. Il y a deux PV d'audition. Or, à la page 34 et à la page 35 de la version Khmer, aux pages 40 et 41 de l'anglais et aux pages 45 à 47 de la version française, c'est la transcription du 21 août, vous dites avoir donné trois interviews, mais il n'y a eu que deux PV d'audition. Ensuite, vous dites que la troisième fois, vous participiez à un atelier sur la planification et le développement, et les enquêteurs n'ont pas pu m'attendre, ils ont dû revenir et faire autre chose à la place. Je veux être sûr que nous avons tous bien compris. Les avez-vous rencontrés trois fois, mais peut-être que vous n'avez été entendu que deux fois, ou bien vous avez entendu trois fois, mais il y a eu seulement deux fois un enregistrement. Réponse. Comme je l'ai dit, il y a eu trois auditions, mais il n'y a eu un enregistrement que deux fois avec un document. La défense. Concernant la troisième audition, vous a-t-on posé des questions? Avez-vous donné des réponses la troisième fois? Questions et réponses qui n'auraient pas été enregistrées sur bande sonore, raison pour laquelle il n'y a pas de PV d'audition. Réponse. La troisième fois, il y a eu un petit incident. J'étais très occupé. Les enquêteurs étaient venus me trouver, mais j'étais pris par mon travail personnel. Je devais choisir entre mon travail personnel et le CETC. Les deux étaient importants. Je leur ai demandé de m'attendre. Mais les enquêteurs étaient impatients et ne voulaient pas m'attendre. Les enquêteurs du BCJI, dont l'un était un étranger, étaient peut-être vexés. Le courant n'a pas très bien passé pendant la dernière audition. Il m'a menacé de recourir à la force publique pour m'amener à Phnom Penh. Je crois que c'était pour lui une tactique. Je lui ai demandé comment il pouvait recourir à la force publique pour me forcer à venir. Je n'avais rien fait de mal, lui ai-je dit. Je n'avais commis aucun crime. Il y a donc eu cet incident. Mais je ne connaissais pas la nationalité de cet enquêteur étranger. Je n'avais pas peur. Je n'avais peur de rien parce que je n'avais rien fait de mal. Je pensais qu'il n'y avait aucune raison de m'arrêter. Ensuite, il s'est repris et il a dit que c'était une plaisanterie. Moi, je ne rigolais pas. Il me semble qu'il ne fallait pas prendre à la légère le travail du tribunal. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas apposé mon empreinte digitale sur le document. Je ne savais pas qui était qui parmi ces enquêteurs. Tout ce que j'ai constaté, c'est que celui-là était un étranger. Et je ne sais même pas de quelle équipe il faisait partie, mais c'était lors du troisième entretien. Je leur ai dit que j'avais déjà accordé deux auditions et que ce que j'allais dire par la suite ne serait pas différent du contenu des deux premiers entretiens. J'ai dit que ce serait sûrement la même chose.
La défense. Merci beaucoup. J'aimerais obtenir encore quelques éclaircissements compte tenu de ce que vous venez de dire. Quand l'enquêteur étranger du BCJ vous a menacé, l'a-t-il fait lors du deuxième ou du troisième entretien? Réponse. C'était lors du troisième entretien. Il n'avait pas participé aux auditions précédentes. Question. Est-ce que vous vous êtes bien entendu avec les enquêteurs précédents, avec l'enquêteur étranger précédent? Car là, je ne suis pas sûr de bien suivre. Réponse. Avec les enquêteurs précédents, il n'y a pas eu de problème. Ils étaient polis, courtois. Je me souviens. Que c'était un noir. Je ne savais pas quelle était sa nationalité, mais le courant est bien passé avec lui. Mais pour ce qui est de l'enquêteur suivant, je ne sais pas de quelle nationalité il était, mais je ne me suis pas bien entendu avec lui. Question. Lors du troisième entretien, je sais que vous avez parlé de cet échange, mais à l'époque, est-ce que vous avez répondu à des questions ou bien est-ce que l'interrogatoire n'a jamais eu lieu au motif que vous étiez occupé et qu'il devait s'en aller? Réponse. À l'époque, j'étais très occupé. En fait, ce n'était pas un jour ouvrable. J'ai demandé s'il pouvait venir un samedi ou un dimanche et il a dit non, la défense. Vous a-t-on posé des questions? Avez-vous fait des réponses sur le fond? Avez-vous répondu à des questions? Autrement dit, y a-t-il eu une audition à proprement parler? Réponse. En fait, il y a eu un PV d'audition, mais à l'époque, je leur ai dit d'attendre jusqu'à midi, mais ils n'ont pas pu attendre, ils sont partis. Question. Concernant toujours ce troisième entretien, je voudrais que vous fassiez des commentaires sur le document D243-4 en date du 13 janvier 2010. Il s'agit d'une ordonnance du coach d'instruction international Marcel Lemonde et à la dernière page en anglais, quatrième page, en Khmer 0043-99-22 et en français 0048-52-81 et en anglais 0042-90-22. Le juge Lemonde dit ce qui suit, c'est le 11e paragraphe. À la fin, je cite, en octobre 2009, Kim Woon a été contacté par le BCJI afin de procéder à un troisième entretien de façon à examiner les questions évoquées dans la demande des coprocureurs. Cependant, malgré les deux auditions antérieures, le témoin n'a plus souhaité coopérer du tout
et a refusé d'être de nouveau entendu. En conséquence, il n'a pas été possible de procéder à l'audition. Il est dit ici de vous qu'à cette troisième audition, vous n'avez pas voulu coopérer et que vous avez refusé de répondre à des questions et d'être entendu. Est-ce que cette description correspond au souvenir que vous avez gardé de ces événements tels que vous les avez vécus et tels que vous les avez déjà décrits? Réponse. En réalité, l'incident s'est déroulé comme je l'ai décrit. S'il s'était conduit de façon un peu plus appropriée, j'aurais été prêt à coopérer. Mais j'ai constaté qu'ils étaient grossiers. Eux estiment que je n'ai pas coopéré, mais je conteste cela. Bien entendu que je voulais coopérer avec le tribunal, mais ils n'ont même pas eu la patience de m'attendre, alors même que je leur avais dit que j'étais occupé. Je savais qu'au tribunal, il y avait une composante nationale et internationale, et j'ai dit que si l'enquêteur international ne pouvait pas attendre, eh bien, le Cambodgien pouvait s'en occuper plutôt que d'obéir à son homologue étranger. Je pense qu'il s'agit ça d'allégations gratuites lorsqu'on dit que je n'ai pas coopéré. Je n'avais absolument aucune autorité pour m'opposer au tribunal qui est créé en application du droit. Il n'était pas satisfait et je m'oppose à cette description qui a été faite de moi concernant mon manque de coopération. Je sais qu'il a dû être vexé, mais ça, c'est à cause des propos inconvenants qu'il a tenus. Et ce n'est pas que j'ai refusé de coopérer, j'ai demandé d'attendre, il n'a pas voulu. Le président, c'est suffisant. C'était la procédure de travail au sein du bureau des co-juges d'instruction. Et ce travail s'est terminé avec l'ordonnance de clôture. Inutile d'insister sur ce sujet. Maître Carnavas, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste signaler les problèmes dans les procès-verbaux, notamment en ce qui concerne ce témoin. Je n'ai plus de questions de la part de Monsieur Nksari, Maître Angoudan, mais moi-même vous remercions d'être présent ici. Bon voyage et bon courage. Merci. Le Président. Merci, Maître. Merci, Monsieur Kim Woon. Nous sommes arrivés à la fin de votre déposition. Vous êtes donc libre de partir et de rentrer chez vous. La Chambre tient à exprimer ses vifs remerciements. Vous avez consacré du temps, vous avez fait un long voyage afin de déposer devant cette chambre et vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Nous vous en remercions. Votre déposition contribuera à la manifestation de la vérité devant la chambre. Nous vous souhaitons bonne chance et un bon retour chez vous. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et l'aider en coordination avec l'unité d'appui au témoin afin qu'il rentre chez lui. Vous êtes libre de partir. Merci, Monsieur le témoin.
bà chưa cái bàn to này cứ Ensuite, nous allons entendre la déposition du témoin TCCP 28. Nous allons l'entendre avant de lever la séance pour la pause du déjeuner. Nous allons entendre la partie civile 28. Rồi xe công thí để chơi xã xây đâm ra rồng đi cho một căn và tốt xa mạng cả. Maître Sai Kovarti, veuillez appeler la partie civile au prétoire. Le président, bonjour à la partie civile. On vous a déjà expliqué comment vous servir du micro pour répondre aux questions qui vous seront posées par les parties et par les juges du siège. Vous devez répondre aux questions uniquement une fois le voyant rouge allumé sur le console qui est devant vous, sinon vous ne serez pas entendu et on ne pourra pas traduire vos propos en anglais et en français. J'espère que vous comprenez bien. Lorsque vous intervenez, vous devez marquer une pause et attendre l'allumage du micro avant de répondre. Monsieur la partie civile, comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle M. Oun. Question. Avez-vous des pseudonymes autres que M. Oun? Réponse. On m'appelait également Ip Lom pendant la Révolution. Le président, veuillez répéter ces pseudonymes. Réponse. Je n'ai plus jamais utilisé ce nom. Pendant la Révolution, on m'appelait Yep Lon.
Le président, merci. Quel âge avez-vous? Réponse, j'ai 61 ans. Question. Où êtes-vous né? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, voici ma réponse. Je suis M. Eun, je suis né à Trompentrauk, dans la commune de Chik, dans le district de Chaimia, dans la province de Trévé. Le Président, où habitez-vous actuellement? Réponse. J'habite dans le village de Chukso, dans la commune de Lone Thai, dans le district de Ponyakrek, dans la province de Kompongchang. Question, quel est votre métier? Je suis paysan, agriculteur. Question. À partir du 17 avril 1975 jusqu'au 7 janvier 1979, où résidiez-vous et que faisiez-vous? Réponse. Monsieur le Président, je vous présente mes excuses car mes réponses seront brèves car j'ai oublié un certain nombre de choses concernant les événements. Le Président, vous pouvez être concis, il suffit de dire à la Chambre ce que vous faisiez à cette époque et où vous habitiez. Réponse. Pendant cette période, à partir du 17 avril 1975. Avant cela, j'étais médecin. Après 1975, j'étais encore médecin. Je travaillais dans le secteur vin. J'ai participé à des formations médicales à l'hôpital du 7 avril. L'hôpital du 17 avril. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Mon père s'appelait Ouch Sa'em. Question. Quel est le nom de votre mère? Réponse. Elle s'appelait Yip Sren. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Sum I. Et j'aimerais apporter une précision. Je me suis mariée deux fois. Je suis divorcée de ma première femme. Qui s'appelait Ung Nain. Je me suis remariée, donc. Ma première femme était à Kampong Cham. Mon épouse actuelle vient du district de Bunye Krak, dans le district de Kampong Cham. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai trois enfants. Le président. Le co-avocat principal pour les parties civiles, nous vous cédons la parole.
veuillez vous assurer de respecter le règlement intérieur numéro 91 qui précise que les avocats des parties civiles sont autorisés à interroger les parties civiles avant les autres parties. Maître Pic-Ang. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Maître Kommenki va interroger cette partie civile. J'aurai également quelques questions. Et Maître Christine Martineau posera également un certain nombre de questions. Le Président, allez-y. La partie civile, l'avocat de la partie civile, merci, monsieur le juge, mesdames et messieurs les juges, bonjour à tous, bonjour monsieur M. Oun. Je m'appelle maître Kemenki, je vous représente. Je fais partie d'Avocats sans frontières. Je vous représente dans le dossier 002. Avant de vous poser un certain nombre de questions, j'aimerais vous expliquer rapidement vos droits devant cette chambre. Vous avez le droit d'être entendu ici. Et de décrire les événements dont vous avez été témoin pendant la période du régime des Khmer Rouges. Vous avez également le droit d'exprimer vos émotions et de demander réparation. Le président intervient. Maître, veuillez procéder à vos questions. Cette explication aurait pu être donnée par le président de la Chambre. Le président de la Chambre n'a pas encore informé la partie civile de ses droits, ce qui était un choix délibéré pour ne pas créer de confusion chez monsieur la partie civile. Nous souhaitons maintenant passer aux questions de fond. Conformément à l'ordonnance de clôture, veuillez poser vos questions de fond. Maître Kimenki, merci, monsieur le président, de cette explication. Tout à l'heure, mon client m'a posé une question surprenante en me demandant s'il devait prêter serment ou pas. C'est pour cela que je tenais à lui expliquer ses droits et je regrette si je l'ai fait de façon inappropriée. Monsieur M. Oun, en 2010, vous avez déposé une requête. Pouvez-vous nous parler de cette requête? Pourquoi vous avez déposé cette requête tardivement? Réponse, Monsieur le Président. J'ai déposé cette demande tardivement puisque je n'étais pas au courant. Je l'avais entendu à la radio, mais je ne savais pas comment demander à me porter partie civile. Question. Je vous remercie. Plus tard, vous avez donc porté plainte. Vous avez déposé des formulaires à deux reprises. Premièrement, en 2010. Et ensuite, le 29 janvier 2010, donc
Comment cela se fait-il que vous ayez déposé deux formulaires et deux demandes? Réponse. J'ai déposé deux plaintes pour la raison suivante. Mais avant de répondre à ces questions, je tiens également à préciser que j'ai mal à la gorge. Voilà pourquoi ma voix sera un peu enrouée lors de ma déposition, mais tout ce que je dirai sera la vérité. Maître Kibeki, veuillez m'appeler maître et non pas monsieur le juge. La partie civile. J'ai déposé ma demande tardivement. J'ai en fait déposé une plainte concernant le processus du tribunal. Par la suite, on m'a dit que je pouvais déposer une autre plainte parce que j'avais le droit d'être entendue devant la chambre. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas très instruite, donc j'ai rempli la demande, mais je l'ai mal formulée et c'est pour cela que j'ai demandé au centre des SECAM de m'aider à remplir le formulaire. C'est pour cela que je l'ai déposé assez tardivement. Question. Dans la plainte que vous avez déposée, vous précisez un certain nombre d'éléments, mais j'aimerais vous demander ici de nous les rappeler et de nous parler de vos activités avant et après 1975. Où habitiez-vous? Que faisiez-vous? Réponse. Avant 1975, avant le 17 avril, comme je l'ai écrit dans le formulaire, mais je voudrais apporter plus d'informations. Je ne suis jamais à l'école, je n'ai jamais eu d'éducation formelle. Néanmoins, j'avais envie d'apprendre. Mes parents étaient très pauvres. Et j'étais celui qui devait subvenir aux besoins de mes parents. C'est pour cela que je suis venue à Phnom Penh. Question. Merci. Et quel âge aviez-vous lorsque vous êtes venu à Phnom Penh pour travailler comme porteur? Réponse. Je suis venue à Phnom Penh comme servante. J'habitais chez mon grand-oncle. Et j'ai commencé à apprendre la médecine. Mon grand-oncle était médecin et donc j'ai appris la médecine à ses côtés. D'abord, on m'a demandé de traiter des patients généraux qui étaient des patients hospitalisés. Question. Pendant combien de temps avez-vous étudié la médecine et quel âge aviez-vous à cette époque? Du mal à me rappeler la date exacte.
Néanmoins, je peux vous donner les dates probables, approximatives, où j'ai appris la médecine, que j'ai appris auprès de mon grand-oncle. À cette époque, j'avais environ 10 ans. Allez-y, maître, continuez vos questions. Maître Kimenki, vous dites avoir eu environ 10 ans, donc c'était dans les années 60. Et en 1965, pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez cette année-là? Réponse. Après avoir appris les soins médicaux, en travaillant aux côtés de mon grand-père médecin, mon grand-oncle médecin. À cette époque, nous étions en temps de guerre, les Khmers rouges s'apprêtaient à prendre le pouvoir et mon grand-oncle était très inquiet. Il m'a donc renvoyé chez moi. Mon père était le dirigeant du mouvement des Khmers Issarak. Et il souhaitait que je reste avec mon grand-oncle pour l'aider et pour apprendre. Mais mon grand-oncle a compris que la guerre s'approchait et que si la famille était éparpillée, nous ne saurions jamais nous retrouver. Il a préféré donc que je rentre chez moi pour retrouver mes parents. Après avoir quitté Phnom Penh, je me suis retrouvée donc chez moi à subvenir aux besoins de ma famille, de mes parents. Mon père était haut placé au sein du mouvement Issarak. Plus tard, les Khmers rouges ont su que j'étais fils de médecin, que je venais d'une famille de médecins, et on m'a donc demandé de travailler pour les Khmers rouges. Plus tard, les Khmers rouges ont estimé que je n'étais pas suffisamment compétent. Après avoir consulté mon père, j'ai été autorisée à participer, à suivre des formations au Vietnam. L'ordre direct provenant de M. Sao Pum, le secrétaire de la zone Est. Maître Kimenki, merci. J'aimerais que l'on précise les dates. Vous dites avoir suivi des formations au Vietnam, auprès du Viet Cong. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez suivi cette formation médicale? Et quel âge aviez-vous lorsque vous êtes rentré au Cambodge après ces formations? Réponse. Je ne saurais pas dire mon âge avec précision, mais j'avais moins de 20 ans.
J'ai appris la médecine, j'ai traité des patients et en même temps, je m'occupais de mes parents. La guerre des Khmers rouges s'intensifiait. Et mon père m'a demandé de devenir médecin pour les Khmers rouges. J'ai commencé en tant que médecin dans le secteur 20 sous l'autorité du camarade Com. Je ne connaissais pas son nom de famille, je le connaissais simplement par le nom de Com. Il était le secrétaire du secteur en question. Question. Lorsque vous avez appris la médecine à Phnom Penh, vous a-t-on donné un certificat ou un diplôme à la fin de la formation? Réponse. Je me suis rendue à Phnom Penh à deux reprises. D'abord, lorsque j'étais jeune et que j'ai appris la médecine sur le tas. Et ensuite, plus tard, je suis allée étudier sous les Khmers rouges. Après avoir quitté le Vietnam, mon père et Ta Sao Pum et Ta Com m'ont demandé d'être le médecin du secteur. D'après mes souvenirs, j'avais environ 23 ans. Je regrette, je n'arrive pas à le dire avec précision, mais c'est la vérité. Maître Kim Enki, merci, monsieur la partie civile. Monsieur le Président, il est midi. Souhaitez-vous que je poursuive mes questions ou souhaitez-vous suspendre l'audience pour le déjeuner? Le Président, merci, Maître. Maître M. Eun. En effet, c'est le moment idoine de suspendre les débats pour le déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. Huissier d'audience, veuillez vous occuper de la partie civile pendant la pause et faire en sorte qu'il soit présent ici au prétoire à la reprise des débats. À 13h30. La défense de Nuncia, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Notre client souhaite suivre les débats de cet après-midi depuis sa cellule temporaire. Il souffre de maux de tête, de douleurs lombaires et des difficultés générales à se concentrer. Le document de renonciation est prêt. Le Président. La Chambre prend acte de la demande de Nunchia, exprimée par sa défense, demandant à suivre les débats depuis sa cellule de détention temporaire pour le reste de la journée, et ce pour des raisons de santé. La Chambre fait droit à la demande. Monsieur Nunchia est autorisé à observer l'audience depuis sa cellule temporaire pour le reste de la journée et à renoncer expressément à son droit à être présent au prétoire. La défense de Nunchia devra soumettre le document de renonciation signé ou portant l'empreinte digitale de Monsieur Nunchia. Responsables audiovisuels doivent vérifier que les liens audiovisuels soient en place afin que Monsieur Nunchia puisse observer les débats depuis sa cellule temporaire. Les gardes de sécurité veuillent accompagner Messieurs Nunchia et Kyo Sampan dans leur cellule de détention
temporaires respectives et raccompagner M. Kyo Sampan au prétoire pour la reprise des débats. L'audience est suspendue. Somme bien grand chose.